La RDC va-t-elle quitter la communauté des États d'Afrique de l'Est? Non, reprend le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, lors du briefing conjoint lundi dans la soirée. Christophe Lutundula, pour Christophe Lutundula, quitter l'EAC serait pour la RDC un cadeau offert au Rwanda. Dans un contexte de conflit avec le Rwanda, le peuple congolais veut la paix. Et c'est sur cette paix que la RDC est en train de travailler pour apporter la solution à la crise congolo-rwandaise, a martelé Patrick Muyaya, porte-parole du gouvernement. La République démocratique du Congo, comme le VPM le disait tout à l'heure, a un rôle éminemment central, 9 pays voisins. Autant on appartient à la communauté économique des États de l'Afrique centrale, à la SADC, autant nous appartenons à l'EAC, il y a des raisons qui ont été expliquées ici. Comme je l'ai dit, nous comprenons la colère et la frustration de nos populations qui payent le prix de la violence. Je pense que de ces points de vue, nous sommes sur une même longueur d'onde avec notre population. Deuxièmement, nous pensons aussi et nous sommes convaincus que ce n'est pas par la violence qu'on va régler les problèmes. Parce que une chose est de manifester, on peut manifester parce qu'on veut manifester, mais une autre, dans un contexte à conflit ouvert avec les Rwandais, qui est doué particulièrement dans la mauvaise manipulation. Vous avez vu l'exemple de cette église qu'on a présentée comme une église d'une seule communauté. Après, je ne sais pas s'il existe une église où il n'y a que les seuls membres d'une communauté qui vont, parce que l'église est censée retrouver tout le monde. Lorsque nous agissons de cette manière, nous prêtons les flancs, nous ouvrons les champs à des choses qui peuvent devenir plus compliquées. Aujourd'hui, les peuples congolais veulent une chose, la paix. Et c'est pour cette paix que nous nous sommes déployés sur plusieurs fronts. On a parlé du front diplomatique dont on parle, du front médiatique, du front judiciaire, parce que tout ce qui s'est fait là, les gens doivent payer pour ce qu'ils font, et du front militaire. Et donc, c'est dans ces cadres-là que nous travaillons à apporter la solution, qui est la paix. Et donc, aujourd'hui, le peuple a certes droit de s'exprimer. Nous, nous avons les devoirs de les écouter, mais ici, nous sommes sur la même longueur d'onde.